Hello! Dans cette vidéo, je t'invite à un petit exercice avec moi afin de cultiver l'élémentaire. Ok? Commençons. Je vais t'inviter à tourner ton regard vers la nature. Peut-être tu peux faire ça dehors, dans ton jardin, dans un parc, ou depuis l'endroit où tu te trouves, regarder à travers la fenêtre, par exemple. Si ce n'est pas possible, si tu n'as pas accès à la nature, tu peux également fermer les yeux et utiliser le regard de ton imagination. Après avoir tourné ce regard vers un espace naturel, je vais t'inviter à ne rien faire, ne faire rien d'autre qu'observer, regarder, demeurer avec cette vue. Garde ton attention ouverte, réceptive, comme si tu invitais tous ces éléments naturels sur lesquels ton regard se pose à se révéler à toi, comme si tu leur parlais, leur murmurais en silence. Révèle-toi, montre-toi, je suis là pour t'observer, pour me rendre présent à toi. Et observe comme il est possible de laisser ces informations sensorielles te parvenir, parcourir la distance qui te sépare de ces éléments et venir insuffler ton corps, insuffler ton être. Observe comme tu peux pleinement recevoir le vert des feuillages, le chant des oiseaux, la douceur de la brise, l'odeur de la lavande, les éclats du soleil. Et autorise-toi comme ça à pleinement recevoir, savourer ces informations. Laisse-toi pleinement appartenir. Laisse-toi pleinement appartenir, appartenir à ce paysage et en recevoir l'infinie douceur, douceur exquise qui dénoue progressivement les tensions entre tes sourcils, les tensions de ta mâchoire. Une douceur exquise telle une rivière qui vient fluidifier ta nuque jusqu'au bas de ton dos, qui hydrate la texture de ta poitrine, la rend onctueuse, de sorte à attendrir ton cœur. Et observe comme cette aisance intérieure se produit de manière organique, naturelle, que tu n'as pas à en faire autant que tu ne le crois. Cette voie d'ouverture, de réception, non forcée, provenant d'une écoute consciente, réceptive à ton environnement, est beaucoup plus puissante que la poursuite constante de l'effort. Observe comme revenir à ce qui est naturel en toi, autour de toi, te procure un sentiment de soutien, de stabilité, de ressourcement, sans pareil. Pour commencer à clôturer ce petit exercice de cultiver l'élémentaire en toi, je t'ai invité à te laisser profondément recevoir ces éléments sur lesquels tu posais ton regard, recevoir le vert des feuillages en toi, la mélodie de l'oiseau en toi, les éclats lumineux du ciel, la couleur des fleurs, les laisser peindre ton corps. Peindre le monde intérieur de ton corps
et observer les sensations qui naissent dans ce paysage intérieur. Qu'est-ce que ton corps a envie de faire? Quels sons aimerait-il faire? Quels étirements a-t-il envie de savourer? Et prends au moins 15 secondes pour pleinement absorber et identifier en toi comment tu te sens désormais. C'est un petit rituel que tu peux faire tous les matins, n'importe quel moment de la journée. Afin de cultiver en toi ce retour au mouvement naturel de ton corps. Si tu aimerais en savoir plus sur ce mouvement organique intérieur, sur les manières de te ressourcer qui demandent le moins d'efforts, je t'invite à rejoindre mon workshop gratuit sur comment cultiver l'élémentaire afin de retrouver son flow et dépasser ses blocages. Le lien sera quelque part dans la description. Ou en commentaire. Prends soin de toi et merci pour ta pratique avec moi.